Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas, n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie. Je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière, attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. L'Église et moi. Troisième partie. On est rendu au troisième message d'une série que nous touchons à l'Église locale. Si vous avez suivi jusqu'à date, vous vous rendez compte qu'on n'est pas très allé dans des définitions comme sur le grec, puis expliquer doctrinalement c'est quoi l'Église. Quand je dis doctrinalement, ou d'avoir une grosse, sortir une grosse... faire le tour de comment les églises sont dirigées, que ce soit épiscopal ou... On n'a pas touché ces sujets-là. On a touché le quotidien de l'Église. On voulait voir ensemble, revenir ensemble à qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce que ça change pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pour ça que la série s'appelle « L'Église et moi ». Et parce que l'Église, on pourrait dire en quelque sorte, c'est aussi nous. C'est aussi moi. C'est-à-dire, une église, moi sans l'église ou l'église sans moi, c'est pas l'église. Et quand je dis sans moi, c'est sans individu, sans personne. Si on n'est pas en tant qu'individu dans une église locale, puis si les individus se voient simplement dans une unité internationale, mais ne sont pas localement réunis, ils n'ont pas saisi l'essence, justement, de cette église locale. Pour beaucoup de croyants, et même pour des gens qui ne croient pas que la Bible ou encore Dieu, c'est un concept qu'ils ne veulent pas croire, bien, ils vont regarder l'Église puis ils vont dire que ça se résume à des rencontres, bien, pour la plupart du temps, de dimanche, tout dépendant de quelle religion ils sont. Fait que pour beaucoup de croyants, même des croyants, eux, quand je dis croyants, c'est des gens qui vont adhérer à des croyances, fortement même à des croyances, que pour eux, l'Église, c'est le moment où ils se rencontrent dans la semaine, selon l'horaire que leur religion leur impose, en quelque sorte. Ou encore, ils vont dire, bien, c'est une liberté que j'ai d'aller, par exemple, le dimanche, à l'Église. Pourtant, l'Église, si on regarde la définition que la Bible en fait,
Ou encore, si on regarde le côté, comme on parle de moi et l'Église, ou l'Église et moi, on s'aperçoit que c'est quelque chose de communautaire. C'est quelque chose qui est autrement qu'un bâtiment ou une rencontre. En fait, c'est tout le contraire de ça. On voit que c'est un ensemble de croyants qui sont interdépendants les uns les autres et qui travaillent à l'avancement du royaume de Dieu. Bon, il y a certaines époques, ça a été compris, ça, travailler au royaume des cieux ou de Dieu, c'est qu'avec une épée, puis on conquiert des nouvelles terres. On y va avec la rhétorique guerrière, mais c'est pas... Si on regarde la Bible, puis on lit tout ce que... comment les gens étaient interdépendants, ce n'était pas une question de vaincu-vainqueur. C'était vraiment une question de gens qui avaient abandonné leur vie à Dieu, qui voulaient en maintenant vivre avec d'autres et comprendre avec d'autres qui est Dieu, puis c'est quoi marcher dans le plan de Dieu. S'il n'y a pas d'engagement de chacun d'entre nous, bien, notre rôle important, si on ne prend pas ça à cœur, par un engagement qu'on a envers l'Église de Dieu, c'est qu'on va nuire, en quelque sorte, à la santé de l'Église, là où Dieu veut qu'on soit. S'il n'y a pas cet engagement volontaire et personnel, il n'y a pas de vraie Église. On peut être un club social, puis je ne dis pas que c'est des mauvaises choses en soi, là, mais on pourrait être une gang qui va dans un club social, on pourrait être une foule. Je pense à Pierre, la première journée, quand le Saint-Esprit est arrivé, ça nous a raconté dans Actes qu'il prêche à une foule. Bon, il y en a là-dedans qui ont donné leur vie à Dieu, mais il y en a là-dedans qui faisaient partie de cette foule. Puis, ils entendaient un beau discours, puis à un moment donné, à la fin, ben, ils l'ont raisonné pour dire, oh, non, c'est pas pour moi, ils sont partis chacun de leur bord. Ça peut être une foule, ça peut être des gens qui viennent voir, par exemple, un spectacle. On a un band de musique, ça peut être intéressant, puis on peut aller, c'est reposant, c'est calmant, c'est ressourçant. On peut utiliser, on peut faire partie d'une foule. On peut même être un groupement religieux, c'est-à-dire qu'on se réunit ensemble pour apprendre des techniques de prière, apprendre comment qu'on parle à Dieu, comment tel type de prière on peut intercéder, puis que Dieu va nous répondre à ce moment-là parce qu'on a le bon type de prière. Ça, on peut devenir un groupement religieux, apprendre des choses religieuses au sujet d'un Dieu. Mais tout ça peut ne pas être l'Église. Et en fait, tout ça n'est pas l'Église. Et pour vous convaincre que notre Église a besoin de développer des membres interdépendants, bien, Dieu utilise une expression dans le Nouveau Testament, dans les livres du Nouveau Testament, il a inspiré à Paul, et même à d'autres, une expression qui s'appelle « les uns, les autres ». Et c'est un peu le titre de ce matin, « les uns, les autres ». Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, « les uns, les autres » Est-ce qu'il nous parle de « les uns, les voisins » avec un autre? Ou il parle d'une communauté de croyants, une église? Malgré toutes les injustices, les blessures, les abus qu'on peut vivre ou qu'on peut être témoin dans une église, le plan de Dieu pour son enfant, c'est qu'il soit présent dans son Église. C'est qu'il fasse partie de l'Église. Et l'expression « les uns les autres », ça constitue une promesse de la part de Dieu. Parce que le Seigneur ne demande jamais l'impossible. Ce que Dieu ordonne, il le donne. S'il nous dit de s'aimer, c'est parce qu'il est capable de mettre en nous un cœur aimant. Si Dieu nous dit d'être patient, c'est qu'il est capable de nous donner la patience. Puis lorsque Dieu nous dit de toutes les choses les uns les autres, c'est une promesse qu'il nous fait en nous disant, « Faites-moi confiance, puis tout ce que je vous demande de faire, je vais vous le donner. Ce que je vous ordonne de faire, je vais vous le donner. » On n'aime pas se faire dire quoi faire. Mais parfois, c'est ce que Dieu doit faire. Tout en nous laissant le libre arbitre, le libre choix de le faire ou non. Mais ça vient avec ses conséquences. Dieu nous a accordé son esprit, et son esprit nous rend capables d'accomplir sa volonté. Démontrer de l'amour, être accueillant, exhorter, encourager, ce n'est pas des traits facultatifs qu'on retrouve dans une église. Ce n'est pas un trait... justement, facultatif du disciple de Jésus-Christ, de celui qui veut vivre pour Dieu. Mais c'est bien la marque d'un chrétien qui a compris l'importance de vivre
en interdépendance avec les autres croyants. Le texte de ce matin de base, c'est un très court verset, c'est Jean 13, 35. Si vous êtes déjà là, lisez avec, on va lire ensemble. Mais sinon, vous pouvez écouter. Jean 13, 35 nous dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Très court texte, mais tellement profond. Si on pouvait simplement comprendre ça, à partir du moment où on se sait aimé de Dieu, où on décide de vivre pour lui, où sa grâce irrésistible nous accroche à lui, c'est le seul autre verset qui devrait être important. Ça englobe tout le reste. Si on apprend à s'aimer, bien, si on est ses disciples, si on veut marcher comme lui a marché, bien, c'est de s'aimer les uns les autres. Si on comprenait ça de la manière dont Dieu veut qu'on le comprenne, je pourrais m'en aller puis plus avoir rien à dire. C'est le message essentiel. L'unité entre nous, en Christ, c'est le moyen de témoigner par excellence. Avec ce verset-là, on a notre façon d'être un témoin, d'être un disciple, d'interagir les uns envers les autres, puis de vivre la vraie Église. C'est simplement, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Moi, je voulais juste vous réveiller. Dans Jean 17, 23, Jésus a dit, « Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le meilleur moyen de démontrer l'amour de Dieu envers les autres, c'est d'être capable d'aimer les autres. Tantôt, j'ai parlé un peu de la rhétorique guerrière, là, c'est-à-dire que comment, pendant une certaine époque, il y a des gens à la tête de différentes églises qui partaient avec les armes pour conquérir des nouveaux territoires. Si on regarde comment ça s'est passé dans les actes, l'établissement de l'église locale, qui s'est répandu un peu partout dans le monde à l'époque. Il n'y a pas grand place à l'arme. En tout cas, s'il y a des armes, il y a un L avant. C'est des larmes. Parce qu'on voyait les premiers croyants, ceux qui ont été persécutés, ils ont été envoyés parce que et c'est comme ça qu'ils ont été dispersés dans le monde, puis ça s'est répandu. Puis quand ils allaient ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait de l'amour les uns pour les autres. Les uns accueillaient les nouveaux qui arrivaient, puis ça faisait boule de neige, qu'on peut dire. Mais on va regarder au travers ce matin, là, les minutes qui nous restent, quelques vérités que l'expression « les uns pour les autres » nous apporte. Puis on va essayer de comprendre un peu c'est quoi l'interdépendance entre nous. Parce que le mot interdépendance, quand que vous avez vu ce mot-là ce matin où je vous l'ai dit, vous avez dit, c'est dans quel verset ça? Pas tant que ça, mais il est traduit par les uns les autres. Premièrement, ce matin, on va regarder que l'interdépendance se vit en communauté. C'est la logique même. L'expression les uns les autres, elle communique clairement l'importance d'être ensemble. Comment être interdépendant si tu es tout seul? Ça, c'est être indépendant. C'est complètement le contraire, on peut dire. Mais parce que cette expression revient si souvent dans le Nouveau Testament, parce que cette expression-là, on la voit tellement souvent dans la Bible, qu'on voit que Dieu insiste sur le fait qu'on doit être ensemble, les uns avec les autres. Quand je dis être ensemble, ce n'est pas nécessairement tous habiter dans le même bâtiment, là. Mais c'est que c'est comme une communauté, une famille. Une famille, bien, chacun, à un moment donné, a ses propres quartiers, que ce soit, tu sais, j'habite pas dans la même maison que mon frère, mais on a une,
Tu sais, on a des liens qui nous unissent, puis quand il y en a un qui a une épreuve, bien, dans la famille, on se parle, puis ça devrait être la même chose dans la famille de Dieu. Assez tôt dans l'histoire du christianisme, cependant, on a vu que des hommes ou des femmes, mais l'histoire a été écrite souvent par les hommes, là, puis c'est souvent ça qui nous est rapporté, mais qu'il y en a des gens qui ont cru que pour honorer Dieu, ils se retiraient de la société pour vivre un peu plus en ermite. Bon, peut-être que ça a produit de l'excellent fromage, ou de la bière, ou du miel, hein, des bières d'abeilles. Mais par rapport à ce que Dieu veut de cette façon que la communauté vive, je pense qu'on passe à côté de quelque chose à ce moment-là. Parce que là, on regarde le Nouveau Testament, on voit que ce que le croyant ou le chrétien, celui qui était un disciple de Christ, chrétien petit Christ, hein, c'est qui vit avec ses frères dans une église locale. Il va partager des problèmes, il va partager des responsabilités, puis il va être dans la société. Jésus, dans sa prière, dit, hein, je te prie pas de les enlever du monde, mais de les protéger du malin. Et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'expression « les uns les autres », ça signifie plus grand-chose de concret. De un, parce qu'on vit dans une société un peu individualiste, mais aussi parce que ces gens-là vivent en dehors de l'Église. Ils vivent l'Église quand ils vont, ils vivent l'Église le dimanche. Et c'est pas parce que je suis en train de dire que ces gens-là vont s'isoler comme des moines, des ermites, là, qui vont tous s'isoler de toute vie sociale, mais l'Église ne répond pas ou ne répond plus à leurs besoins. Il y en a pour qui que l'Église dit, « Ah, non, ça, c'est un gros paquebot qui ne s'est plus tourné. Ça ne répond pas à mes besoins, ma vie d'une autre façon. » Au lieu de faire partie de la solution, ils accroissent le problème. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. La vie normale du chrétien, ça implique des relations suivies avec les autres membres du corps. Exhortation, instruction, édification mutuelle, support réciproque. Il y a plein de versets, là, tantôt on va en lire quelques-uns, mais ça dit « rendez-vous serviteurs les uns les autres ». Serviteurs les uns les autres, être au, c'est diaconos, mais être au service les uns les autres, c'est dur à faire ça quand tu es tout seul. Puis dans le contexte qu'on voit ces textes-là dans la Bible, c'est vraiment dans le contexte de la communauté. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns et les autres. Ça n'implique pas qu'on n'a pas à s'impliquer dans le reste de la société qui nous entoure. Mais premièrement, ça devrait être là. C'est comme la personne qui va haut et fort condamner la violence, mais que dans son propre foyer est une personne violente, envers conjoint, conjointe, enfant. Pourquoi que tu es prêt à aimer partout, mais que tu n'aimes pas ceux que Dieu a placés sur ta route, avec qui tu devrais faire équipe? La vie dans un corps, c'est pas toujours facile, mais c'est une bonne école. Ça nous apprend à travailler en équipe. Ça nous apprend à valoriser les autres, ça nous apprend à nous corriger mutuellement, à grandir ensemble. Parce que lorsqu'on n'est pas ensemble, lorsqu'on fuit parce que quelqu'un commence à corriger un peu certains points de ta... Puis quand je dis corriger, on s'entend, là, des fois c'est juste entre amis, tu sais, on est fait partie de la même famille, donc des fois on va dire, tu manques un peu de patience dans telle situation. Ouf, m'en va, boud. Mais ça ne répond pas à mes besoins, cette église-là. Souvent, c'est ça. On ne veut pas se frotter les uns les autres. On ne veut pas apprendre à vivre ensemble en interdépendance. Dans ma famille, avec ma femme, parfois, elle doit me dire des choses que je ne suis pas correct. Juste parfois. C'est rare, mais ça arrive. Non? Mais, tu sais, c'est jamais comme une discussion que, c'est le fun à avoir, mais nécessaire à avoir.
Mais si je fuis à ce moment-là, ce qui est souvent notre tendance naturelle, la fuite, elle peut être juste là, là, la fuite, là, on peut faire tout, pouf! Être encore les yeux ouverts et présents, mais le reste est parti se promener. On ne réglera pas les problèmes, on n'apprendra pas à vivre ensemble. Mais si notre désir est de travailler sur ça, de s'aimer mutuellement, de grandir mutuellement, de s'exhorter mutuellement, ben c'est comme ça. C'est comme ça dans l'Église. La vie d'un corps, ce n'est pas toujours facile. Hein? Aimez-vous les uns les autres, là, c'est parce que si c'est un commandement, c'est parce que ce n'est pas naturel. C'est une étape pour parvenir à aimer tous les hommes, même vos ennemis. Parfois, dans un conflit, on va avoir tendance à dire, ben, tu sais, c'est de sa faute, puis il n'est pas aimable. Mais la Bible nous dit de s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on peut considérer cette personne-là comme un frère, comme une sœur? Ah, peut-être pas, parce que si et ça. Bon, OK. Sinon, ça nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Ah, mais là, c'est peut-être pas mon prochain, puis tout ça. Parce que, tu sais, on n'est pas si proche, puis c'est pas quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais pourquoi que je devrais l'aimer? Bien, il y a un autre verset aussi qui dit « Aimez vos ennemis ». Ah, mais là, finalement, y a-t-il quelqu'un que tu ne peux plus aimer? Tu ne dois pas aimer selon Dieu? On rentre dans une des catégories. Pierre utilise une expression vraiment intéressante dans 2 Pierre 1, 5 à 7. Il dit ceci, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. » Il affirme, Pierre, que on doit ajouter à l'amour fraternel l'amour agapé. En fait, c'est 2 types d'amour qu'il utilise dans le grec. Philadelphia, qui est l'amour fraternel. Et ensuite, agapé, qui est l'amour inconditionnel. Fait que dans notre texte en français, celui que je viens de vous lire, l'amour fraternel, puis il rajoute à ça l'amour inconditionnel. C'est écrit comme étant la charité dans ce texte-là. Mais c'est comme si c'était une progression. Puis il dit, il faut mettre tous vos efforts à ça. Paul, il va aussi avec la même idée dans 1 Thessaloniciens 5,15. Il dit ceci, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il y a toujours comme cette idée de progression. Tu dois commencer à aimer fraternellement pour ensuite te tourner vers l'autre. La famille, c'est le laboratoire de la vie. Hein, c'est là que tu apprends les premiers balbutiements à marcher, faire tes premiers pas, la famille physique. Là. C'est là que tu apprends la première dépendance, interdépendance envers tes parents, ta première dépendance envers eux. C'est là que tu apprends aussi une certaine forme de discipline, tu apprends toutes ces choses-là. Mais la vie de l'Église, c'est aussi le laboratoire de la vie. De la vie dans ce monde. Et on peut dire que l'interdépendance se vit en communauté, mais aussi, deuxièmement, l'interdépendance, ça s'adresse à l'ensemble des croyants. Ce n'est pas juste des élites. Puis dans le schéma auquel la chrétienté nous a habitués, ou la façon dont les églises, des fois, sont parfois dirigées, on s'attend tout naturellement à ce que ce soit certaines personnes qui ont certaines fonctions dans l'Église. Par exemple, l'enseignement, l'exhortation, l'édification, ben, on a des ministères pour ça, puis c'est à eux à s'occuper de ça. Puis là, ben, plus l'Église est grande, plus il y a des types de ministères, puis c'est, ça devient quasiment comme un hôpital, tu as différents spécialistes pour différents domaines. Dieu a quand même mis des gens pour veiller sur les membres du troupeau. Consoler les affligés, avertir ceux qui s'égarent, écouter les confessions, même parfois de ceux qui luttent avec certains péchés. Mais quand je dis écouter les confessions, on ne parle pas d'un confessionnal, là.
Mais on parle des fois des gens qui vont lutter avec certaines dépendances. Là. Puis dépendance, c'est pas nécessairement la drogue, là, mais il y a toutes sortes de dépendances. Là. Nommez-les, on en a tous quelques-unes, parfois, souvent, enfin. Mais des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à aller vers. Puis quand je dis ça, c'est pour ça que je voulais utiliser le terme confession. Mais dans le Nouveau Testament, même si c'est, on voit qu'il y a des gens qui vont avoir un certain rôle comme ça, une certaine sagesse que Dieu les a équipés, mais qu'ils ont été reconnus par leur Père, dans le Nouveau Testament, il est toujours écrit « Exhortez-vous, instruisez-vous, édifiez-vous, consolez-vous, avertissez-vous les uns les autres. Que les membres aient également soin les uns les autres. » Il y a plein de versets comme ça. Vous savez, si chaque croyant prenait son rôle à cœur, puis était un peu, entre guillemets, là, je ne sais pas si c'est une expression qu'on voit plus en anglais, mais le gardien de son frère. Brothers Keepers, là, c'est, même il y a des organismes, des ministères qui sont appelés un peu comme ça. Mais se dire, si tu as quelqu'un avec qui tu es redevable, que tu apprends à grandir dans ta vie, puis que, tu sais, s'il y a de quoi, mais quelqu'un de confiance, tu sais, qui ne rapportera pas, blablabla, qui ne fera pas le tour comme ça, un coup, tu vas avoir dit, ah, moi, je vis telle affaire. Ah, ouais? OK. M'a prié pour toi. Hey, sais-tu quoi? Un tel là. Non. Si on prenait chacun notre rôle, on n'aurait pas besoin de confessionnal, façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que ce ne serait pas à. Il y a des fonctions qui, tout ce qu'ils feraient, c'est simplement s'assurer que ça se fasse. Puis encourager les autres à le faire. C'est pas un. Ça ne revient pas à un pasteur de toujours encourager l'Église. Si on prend une équipe de sport, par exemple, tu as le coach qui va amener des solutions, qui va parler, puis qui va. Bon, c'est sûr que des fois, il y a différents types de coach, là, mais on va prendre un exemple un peu général. Mais s'il n'y a pas de joueur dans l'équipe qui se lève et qui va dire « Hey, tu as compris comment il veut qu'on fasse ça? » C'est de même. Puis, s'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, ben, ça va avoir l'air, l'équipe va avoir l'air d'une gang de poules pas de tête. Même si le coach a tout enseigné, puis sinon, il va être obligé de chialer après eux pour que l'équipe finisse par aller dans une direction. Mais si les joueurs prennent chacun leur rôle à cœur, puis ils prennent les plus vieux, montrent aux plus jeunes, puis regarde, c'est comme ça qu'on fait ça, puis on travaille ensemble. Puis les équipes qui se rendent à la fin, qui remportent des championnats, c'est ceux qui ont appris à vivre en équipe. Une église en santé, c'est une église qui a appris à vivre en équipe, qui a appris à vivre en communauté. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, le corps de Christ fonctionne si tous les éléments sont en action. Comme les disciples ou les apôtres exhortaient chaque chrétien directement à ses différents devoirs, quand aimez-vous et tout ça, c'était pas eux qui allaient les forcer. L'obéissance à tout ça, à tous ces commandements, ça relève de chacun des membres. Paul, il dit souvent, je vous exhorte à, je vous implore, je vous supplie de vous aimer les uns les autres. Puis, c'est que le progrès que vous faites dans la foi, mais que ça puisse se transparaître dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais il ne pouvait pas dire, j'y vais, là, puis si j'en vois un qui n'aime pas son prochain, il va le battre. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Il les exhortait, mais c'était à chaque personne de prendre à cœur, premièrement, l'enseignement que Dieu a. Si on parle d'interdépendance, si on parle qu'on doit travailler les uns les autres, mais ça implique qu'il y a des choses à faire puis des choses à pas faire. J'aime bien dire que vivre pour Dieu, c'est pas avoir une série de choses à faire et à ne pas faire. Hein? Tu t'habilleras pas comme ça, tu as des principes comme ça. C'est pas ça, on ne voit pas ça dans la Bible. Mais on voit énormément de choses à faire ou ne pas faire pour comment être dans une communauté, dans un corps. Ça, on en voit beaucoup, beaucoup. Puis c'est au travers souvent l'expression « les uns les autres ». Et
en fait, quand on regarde toutes les fois où c'est écrit les uns les autres, ou ce qui nous parle d'interdépendance les uns envers les autres, c'est souvent dans le cadre de choses à faire ou ne pas faire. Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Premièrement, des choses à faire pour développer l'interdépendance. Si on veut la développer, voici quelques conseils qui nous est donné dans la Bible. Il y a le verset qu'on a lu dans Jean 13, 35. Premièrement, hein, s'aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns pour les autres. Lui, je ne l'ai pas affiché. Mais Romains 15, 7, ça commence. On va en lire une dizaine. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 12, 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres aient également soin les uns les autres. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, on voit ça dans Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns les autres, là, ça, c'est pas se dire que le premier qui arrive, il se couche, puis les autres peuvent essuyer ses pieds dessus en rentrant, là. La soumission, c'est loin d'être ça. La soumission, c'est simplement de voir les besoins de l'autre comme plus grands que les nôtres, en quelque sorte. Mais il faut s'aimer pour être capable d'aimer. Donc, il faut quand même amener à Dieu nos besoins pour être capable d'être. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Fait que si tu ne te sais pas aimer par Dieu, tu vas avoir de la misère à aimer ton frère ou ta sœur. Mais si tu as compris tout l'amour que Dieu a eu pour toi, tu vas l'aimer. Tu vas aller vers ses besoins. Puis, se soumettre, c'est de dire à ton frère, à ta sœur, à ton ami, à la personne qui est avec toi dans la communauté, dire, oui, tu as des besoins, puis je vais travailler à y répondre. Mais c'est aussi de respecter le rôle de l'autre. Si, par exemple, on arrive, vous arrivez dans une communauté, puis il y a quelqu'un qui est à l'accueil, mais tu ne dis pas, tasse-toi, c'est à mon tour, puis m'accueillir les autres, puis toi, non, c'est lui qui est à l'accueil, c'est lui qui va t'accueillir. C'est lui qui va, fait que tu, en quelque sorte, t'acceptes son accueil. Mais si quelqu'un aussi vient t'enseigner, vient t'exhorter, bien, la soumission, c'est d'écouter l'exhortation, de travailler avec lui, puis de dire, mais OK, pourquoi tu as vu ça en moi? Si toi, tu ne le vois pas, bien, comment ça que tu l'as vu? Puis travailler, puis jaser. Enfin, je voulais juste vous faire comprendre un peu plus le mot soumettre, parce que souvent, on a l'impression que soumettre, c'est comme devant un, se mettre à quatre pattes devant le patron pour qu'il essuie ses bottes, là. Ou la même chose dans la maison, quand il parle de se soumettre les uns les autres, puis il donne des exemples de soumission, puis il donne entre autres hommes et femmes, puis parents, enfants. Mais c'est pas à la femme de se mettre à quatre pattes pour que l'homme essuie ses bottes capées dessus en arrivant. Je continue. Éphésiens 4, 2, il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité ou avec amour. » En toute humilité et douceur, avec patience. Ça veut dire que la personne ne s'en rendra même pas compte que tu la supportes. Hein? Quand tu supportes quelqu'un, c'est pas un « Oui, OK, oui, oui. » On va faire des efforts. Non, c'est que l'autre a soit un caractère qui est incompatible, soit qu'elle vit une difficulté, puis mais que pour toi, ça devient tu le fais avec douceur, avec patience, avec amour. C'est pas dur faire ça, là, supporter quelqu'un dans ce cadre-là. Jacques 5, 16, ça nous parle de confesser donc vos péchés les uns aux autres. Bon, c'est pas encore là, c'est pas de se mettre... qui a un péché à confesser ce matin? C'est pas dans ce contexte-là. C'est vraiment dans le contexte de interdépendance, puis que des fois, tu es redevable avec quelqu'un, puis que tu peux lui exposer tes difficultés, ces choses-là, pour qu'il puisse t'aider. C'est pas de garder tous tes luttes pour toi-même. En disant, c'est entre moi puis Dieu. Oui, mais... C'est ça. Éphésiens 4, 32, ça nous dit, « Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Continuez. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour de vivre selon la chair, selon vos désirs, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres.
Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 1 Pierre 4, 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Jacques, la suite de Jacques 5, 16, parce qu'au début, c'était de confesser nos péchés, mais aussi de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Souvent, on se prive de l'action de Dieu parce qu'on ne laisse pas Dieu agir dans l'autre envers nous. Tout comme on n'agit pas dans l'autre comme Dieu voudrait, veut nous utiliser pour aider l'autre, pour encourager l'autre. Donc, si tu n'es pas dans l'Église, si tu n'es pas dans cette communauté, parce qu'elle ne répond pas à tes besoins, j'oserais presque dire que tu fais partie, non pas de la solution, mais, comme on dit, du problème. Voici quand même d'autres versets. Là, on est allé vers ce qu'on doit faire. Mais il y a quand même des choses qu'on ne doit pas faire pour développer l'interdépendance. C'est-à-dire, si on veut vivre dans l'interdépendance, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Romains 14, 13 nous dit, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » C'est vraiment dans le cadre de juger les motifs ou les actions de l'autre. Hey, au lieu d'aller marcher comme un kilomètre dans ses souliers, comme on dit, mais d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, c'est que il a fait ça, il n'est pas correct, puis il est ci, il est ça. Puis là, tu tombes au point 2, Jacques 4, 11 qui dit, « Ne parlez point en mal les uns des autres, frère. » Ça n'arrive jamais, ça. Jacques 5, 9. Ne vous plaignez pas les uns les autres, ou les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Et ça, il parle de Christ. Christ, un jour, va juger, va nous juger. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et un qui est plus dur, Galates 5, 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Je pense que c'est un des... Surtout ceux qui sont orgueilleux, c'est un des plus difficiles, ça. On aurait pu y aller du côté positif en disant « Soyez humbles les uns envers les autres. » Mais pour le comprendre, il y a aussi le côté négatif qui dit de ne pas chercher une vaine gloire ou de se provoquer les uns les autres en se portant en vie les uns les autres. « Ah, mais toi, hein, t'as ça. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aime, tu sais. » Puis envier l'autre, puis enfin. Tous ces versets nous disent ce que nous devons faire et ce qu'il nous faut éviter pour qu'on puisse maintenir l'harmonie, la communion entre nous. Et progresser ensemble, qu'on soit instruit, averti, estimé, accueilli, mais aussi de ne pas se plaindre, de ne pas mentir, de ne pas les médire. Les commandements négatifs sont aussi importants que les positifs. Si je dois exhorter, je dois aussi pardonner. Et pour savoir supporter, bien, il me faut la sagesse divine pour décider ce que je dois faire avec dans telle et telle situation. Les ressentiments, les médisances, l'esprit du jugement sont des virus qui empoisonnent la vie du corps de Christ. Parce que si notre corps, si on reprend l'analogie de la dernière fois, si notre corps, notre système de défense contre les microbes ne fonctionne pas, bien, le corps va tomber malade. Puis justement, les ressentiments, ces médisances, ces choses-là, c'est comme des virus qui attaquent le corps de Christ. Pour terminer, l'interdépendance est construite sur l'amour. C'est pour ça que le verset au tout début, hein, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Fait que cette interdépendance-là est construite sur l'amour. Et pour qu'elle fonctionne, ça prend de l'amour. Jean 13, 34, ça dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En entrant pour une première fois dans une église, la plupart des gens ne seront pas capables, à moins qu'ils aient été voir sur le site Internet ou des choses comme ça, là, mais quand tu rentres, tu dis, « Ah, église, je vais aller voir, je vais rentrer. » Tu ne comprendras pas, tu ne le verras pas en entrant si... En tout cas, à moins qu'il y ait vraiment des choses visibles, mais tu ne verras pas si ce qui est enseigné est correct. C'est pas ça qui va te frapper tout de suite. Mais tu vas sentir si les gens s'aiment vraiment les uns les autres. Tu vois, ça va être un peu beaucoup plus évident. Jésus ne s'est pas tanné de répéter les questions ou de répéter à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres. » Il faut croire que l'amour, c'est une des choses qui est importante aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, 13, après avoir fait une belle démonstration de l'amour, puis il parle de la foi, de l'espérance, mais il dit ceci, « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Pourquoi? Bien, un jour, la foi, on n'en aura plus besoin. On va être auprès de Dieu. Un jour, l'espérance qui nous est promise, on va la vivre. Puis ce ne sera plus en espérant, parce qu'on va la vivre au présent. Ce ne sera plus une espérance, ça va être la réalité. Mais l'amour, elle va juste être rendue parfaite au ciel. Parfaite, en fait. Mais ça va être juste là, puis elle va continuer. On n'aura plus besoin d'espérance, on n'aura plus besoin de foi. Mais l'amour, on va toujours rester. On peut avoir entre nous différentes divergences d'opinion, de caractère, de tempérament, d'opinion, même politique, sociale, mais on doit toujours continuer à s'aimer les uns les autres. On doit demeurer en Dieu. Et Dieu va demeurer en nous, puis le monde va pouvoir croire en Dieu s'il voit que ceux que Dieu aime s'aiment. Quel genre d'église on est? Est-ce qu'on est une église aux membres interdépendants ou aux membres indépendants? Prions. Père éternel, merci pour ce privilège de te connaître. Merci pour cet amour qui a été déversé en nous à la croix, en la personne de Jésus-Christ. Comme tu as aimé le Fils, comme le Fils aime le Père, Seigneur, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Tu nous as aimés de cette façon et tu veux qu'on s'aime aussi les uns les autres. Seigneur, c'est pas juste par des paroles qu'on veut le faire, mais c'est aussi au travers de nos actions, mais au travers de nos pensées, au travers ces sentiments, ce cœur que tu veux qu'il soit en action, en train d'aimer l'autre. Aide-nous à voir l'autre comme tu le vois, à se voir, à nous voir aussi comme tu nous vois, pour qu'on puisse, Seigneur, aimer comme toi, tu m'as aimé. Merci encore pour ce temps ce matin, puis sois béni éternellement. Amen. Bonne semaine et à la semaine prochaine.